Humanity survived. Our ancestors have destroyed the world, and we had to pay the price. With over 100 years without sunlight, but we have prepared ourselves for our chance to make things right. They stole from us a life of happiness. Still, we will make the best of it. Even though Mother Earth is grim and tainted, we have managed to survive. And we will keep surviving. Salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne sur Endzone World Apart, jeu développé par Gentlemat Studio et édité par Assembly Entertainment. Je remercie ces derniers de m'avoir procuré la clé pour que je puisse vous le montrer. Le jeu sans DLC, alors, est à 39,99€. Vous avez deux DLC principaux qui sont Prosperity à 9,99€ et Distant Places à 7,99€. Les prix sont en euros et sur Steam. Alors, eh bien, on va pouvoir se lancer. Alors, c'est quoi? C'est un jeu de construction de ville et de survie. Ah, en mode survie directement, on va faire ça sans tuto, nous on est des bourrins, nous. Alors, donc, jeu de construction de ville avec et de survie, partie facile. Commencez une partie facile avec laquelle vous devrez tout de même faire face à des menaces de sécheresse. Modifier les paramètres. Ah, mais il y a plein de paramètres en plus qu'on peut modifier, ça c'est bien. Donc on peut activer ou désactiver les DLC, les pluies, les contaminations, car le monde a été contaminé par des guerres atomiques, certainement à cause de Vladimir Poutine après l'attaque contre l'Ukraine. Alors, oui, bah on va laisser ça comme ça, allez hop, go. Alors, les paramètres de la carte. On a 6 seeds, donc vous pouvez jouer sur la même carte que vos amis, hein, sur une seed. On a un petit aperçu de la map ici. Vous avez la taille de la carte, le nombre de montagnes. Alors, c'est quoi les montagnes? C'est le gris, je suppose. Oui. Le nombre de lacs, c'est le bleu. Le nombre de forêts, c'est le vert. Le nombre de ruines. Est-ce qu'on les voit sur cette map, les ruines? J'ai pas l'impression qu'on les voit bien. Zone dégagée autour du point de départ. On peut faire une grande zone dégagée, genre pour avoir plein de place pour construire. Mais non, nous, on est des guerriers. Nom de la colonie, eh bien, Asuka, pour ceux qui savent, attention, Asuka. Alors. Donc, comme je disais, c'est un jeu de construction et de survie. Vous allez devoir faire survivre votre population. Pour éviter qu'ils ne reçoivent plus de radiation qu'ils n'en ont déjà. Donc, voici notre petite cité. Alors, évidemment, ça commence très bien, hein, car nous avons un petit... oui, Anna. Oui, c'est l'endroit pour s'installer, oui. Ah, c'est marrant, pourtant j'ai mis sans le tuto et ils me le disent quand même. Bon, construire un nouveau foyer. Alors, interface, tout de suite. Les ressources sont en haut. Vous avez plein de ressources différentes. Hein. Donc là, vous avez l'eau. Ce qui est bien, c'est que c'est tout de suite noté. Les petites pop-up vont très très vite. La nourriture. Le bois. Le fer, enfin les débris. Les outils.
Les protections anti-radiation, ça peut être utile dans un monde post-apocalyptique rempli de radiation nucléaire. Des remèdes, des étoffes, des métals, du plastique, des circuits électroniques et du charbon. Alors, on voit aussi que, apparemment, hein, vous avez pour certaines ressources, vous avez plusieurs types de ressources dedans. Et ça, c'est très bien. Nous avons ici la croissance démographique qui est plutôt tendance à tomber. C'est un peu con de perdre de la population, mais nous allons remédier à cela. Nous avons 12 adultes, bon, ce qui est très bien, et 7 enfants. Nous voyons que Greta et Hugo ont l'air plutôt mal en point, mais ce n'est pas grave, il y en a quand même une qui s'appelle Greta, certainement que ce monde détruit, elle ne l'a pas supporté. How dare you, I know. Nous avons ici le moral de notre population qui nous donne différents bonus et malus, sachant que voilà, s'ils sont pas contents, eh bien ils font moins d'enfants. C'est tout à fait logique. Les radiations moyennes de tous les colons, hein, donc si vous avez 30 colons à 10, et ben là vous aurez 10. Voilà. La santé moyenne des colons, la connaissance et la nourriture riche. D'accord. Très bien. Alors, ensuite, nous avons tout ce qui est construction, la liste des travailleurs que nous avons. Très bien. Nous pouvons les répartir un peu comme dans Banished, pour ceux qui connaissent. Vous aviez ce genre de tableau et en fait vous pouvez dire bah voilà, je veux deux barman, un chef, un berger et puis deux forestiers. Et évidemment ça va diminuer de votre nombre de colons adultes, donc et diminuer votre nombre de constructeurs maximum forcément, parce que ce sont ceux qui ne travaillent pas sont forcément constructeurs, et donc après vous pouvez en imposer. Et eh bien, ça va permettre de régler finement votre main d'œuvre, sachant que vous voyez que nous sommes 12 et qu'il y a plus de 12 métiers. Donc déjà, on ne peut pas finir le jeu avec 12 personnes. Ça, c'est déjà un truc à noter. Sachant évidemment que, par exemple, si deux herboristes feront des médicaments plus vite que s'il n'y avait qu'un seul herboriste. Nous avons les limites de production, donc ça par exemple je peux dire que moi je veux maximum 4000 de nourriture ou 20000 ou 100000 suivant mon nombre de réserves etc. et mon nombre d'habitants surtout, c'est très important. Évitez d'avoir, parce que par exemple si vous avez 10000 de place dans vos stockages, ça évite, voilà, une fois que vous serez à 500 bois, bah ils savent qu'il n'y a plus besoin d'en ramasser tant que vous n'êtes pas en dessous de 500 bois. Ça évite d'avoir 8000 bois et 30 débris, hein, parce que ce sont les ressources principales. Voilà, il faut essayer d'équilibrer toutes nos ressources en fonction surtout de nos productions. On voit également qu'il y a eh bien un filtre, ce qui est très bien pour trouver une ressource particulière quand vous savez quelle ressource vous recherchez. C'est assez intéressant parce qu'il y a masse ressources. On voit que toutes n'apparaissent pas ici. Et qu'il y a beaucoup de ressources communautaires, des ressources de luxe, etc. Des joints, alors j'ai bien envie de mettre à zéro car la drogue c'est mal, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Voilà, c'est la guerre. Hein. Ok. Enfin, le monde est détruit quoi. Les ressources, c'est fait. Limite de production, c'est fait. Non, les ressources, c'est pas fait, non. Les ressources, ça c'est toutes les ressources qu'il y a dans le jeu. Et donc, vous avez... les ressources que vous avez en stock et votre productivité, évidemment, pour le moment, on ne produit rien. Donc, au moins, on peut voir ici assez finement eh bien, notre production moins notre consommation. On peut voir si on est en positif ou en négatif. Saison actuelle, dernière saison, il y a deux saisons. Ah, on peut, d'accord, on peut faire un... Pour voir si on évolue positivement ou négativement. Évidemment, si par exemple les plats copieux on était à 0 il y a deux saisons et que maintenant nous sommes à 20, nous avons du positif. Si c'est l'inverse, nous sommes en négatif. Hein. Il faut voir ça sur plusieurs années. Et donc là, c'est quoi? Et ça, ce sont les stats. Très bien. Donc on aura des stats au moins en graphique, ce qui est très bien pour suivre un peu nos ressources. Donc on peut faire des ressources seulement, on peut juste regarder que les débris. D'accord, ça c'est bien aussi. C'est très très bien ça. Très bien. Ok.
Eh bien, c'est très bien. Alors, nous avons ici notre saison. On voit ce qui va arriver. Donc, pas de pluie. Très bien. Nous allons avoir de la pluie. Contamination inconnue. Construisez une station météo pour avoir les bulletins. D'accord. De la pluie, pas de pluie, de la pluie, de la pluie, ce monde. On se croirait en Bretagne, en fait. En fait, c'est la Bretagne. D'accord, on joue en Bretagne. J'aurais pas dû appeler ça Asuka, j'aurais dû appeler ça Rennes. Voilà. Car nous sommes, ou Vannes, car nous sommes dans la Bretagne profonde. Très bien. Donc, il fait jour et pas de pluie, nous sommes en saison 1. Donc, nous avons ici les radiations, avec des petits filtres. Hein. Donc, aucune radiation ici, très bien. En vert ici, c'est faible. En jaune, c'est moyen. Et en rouge, c'est la merde. On a du rouge. On n'a pas de rouge. Ça tend vers le rouge, hein, mais on n'a pas de rouge rouge. Hein. On a du orange. Oh, une ville toute cassée. On va aller voler ces bâtiments. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a du rouge rouge? Je ne vois pas de rouge rouge. C'est assez intéressant. Alors, par contre, ça se met pas sur la minimap, le filtre, ce qui est un peu embêtant, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Ah si, là, regardez, là, il y a du rouge rouge. Cet arbre est extrêmement nocif. Il ne faut surtout pas s'en approcher. Nous risquerions de mourir. Bien. Par contre, elle est où ma base? Elle est là. Ok. Ici, nous avons l'humidité des sols, évidemment. L'eau, c'est très humide. Il paraît, hein. Il paraît que les lacs sont très humides. Évidemment, pour certaines récoltes, ils vont demander de l'humidité. C'est sûr que si c'est sec ou desséché, vous n'allez pas pouvoir faire pousser du blé ou du riz. Bien. Nous avons l'attrait d'un lieu, donc savoir s'ils sont contents d'aller travailler là ou pas, pour les influences positives ou négatives des lieux. L'électricité, quand nous aurons de l'électricité. Les conditions des bâtiments, voir s'ils sont à quel niveau d'endommagement ils sont. Est-ce qu'on voit ça pour les bâtiments de ville ou pas? Ou c'est que les nôtres? Non, ça n'a l'air d'être que les nôtres. Très bien. C'est assez intéressant. Ma ville. Oui, enfin ma base. Et ici, accès rapide au mode bâtiment. Ouais, si tu veux. Ok. On peut mettre et enlever les filtres, évidemment. Ok. Eh bien, c'est déjà pas mal pour ça. Alors, ensuite, nous pouvons sélectionner nos petits colons. Donc, Raphaël, c'est un jeune adulte. Bien. Sa profession actuelle est colon. Très bien. Activité info. Il a des outils, il a des vêtements et il a une éducation, il est instruit. Il a un badge de colon. Ce colon n'a pas encore reçu de badge, pauvre petit. Donc, la vue principale, nous avons la confiance. Donc, le colon s'est reposé chez lui, oui ou non. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est bio, vous savez, dans tout ce qui est comme dans Rimworld, vous avez un peu ça. Vous avez ici la confiance de la personne et après les effets positifs et négatifs qu'il y a. Donc là, il a un plus 3, un plus 2, un plus 1, un moins 2 ici. Donc évidemment, là c'est 0. Là c'est plus 3, hein. C'est pas... là il est à plus 3, non. Quand il n'y a pas de bâton, il est à 0. Quand il est tout à droite, il est à plus 3. Hein. Comme là, il est à 0 là et quand il sera tout à droite, il sera à plus 1. À moins 1, pardon. Etc, etc. Bien. Il n'a pas de radiation. Il est très très joli cet homme. Ah oui, on peut le suivre, d'accord. Nous avons ici son éducation, donc il a 100% partout. Très bien, excusez-moi. Il a 100% de productivité, etc. Donc ça, c'est très très bien. Il n'a pas d'inventaire sur lui, et nous pouvons voir sa famille. Il est marié à Émilie. Qui est Émilie? Émilie, où es-tu? Non, c'est pas toi. Alors, on remarque que monsieur est marié à Émilie, mais la femme la plus proche s'appelle Véronica. Bravo à lui, je le soupçonne déjà de ne pas être très fidèle. Oui, et Véronica a Léa et Hugo comme enfants. Et son mari, c'est Colin. Très bien. D'accord. Et donc, ce petit enfant, Hugo. Hugo a 8 ans, c'est un enfant et il n'a pas de partenaire sexuel. Eh bien, mon petit Hugo, nous allons remédier à cela pour toi. Oui. Et nous voyons qu'il n'est pas instruit. C'est un gamin. Non. Il va falloir construire une école, et vite. Afin que les enfants puissent faire autre chose que le métier de leurs parents.
Ici, nous avons l'épave du bus, c'est notre, notre maison pour le moment. On peut améliorer le bus, tiens. Oh. Avec ces améliorations-là, nous pourrions l'améliorer. Alors, on va peut-être pas le faire tout de suite, hein. Ça me paraît pas une bonne idée. Ok. Mais nous allons tout de suite passer à la construction. Vous voyez qu'il y a énormément de bâtiments. C'est énorme. Et on aime ça. C'est ça qui est bien. Alors, on nous avait dit de construire quoi? Je sais plus moi déjà. Voilà, je vous parle et puis derrière, je ne sais plus ce que je dois faire. Alors, habitation, une cabane, un refuge, c'était ça? Non, je ne sais plus. Où sont mes tâches? Aucune tâche, très bien. Notification, journal. Colon malheureux. Ah, pauvre petit. Oui, et vous avez évidemment le guide complet de la survie avec tout ce que vous pouvez trouver dans le jeu. Bien. Alors, une cabane au fond du jardin. La cabane des colons peuvent habiter et donner naissance à leur progéniture. Ah, très bien. Consommation d'électricité. Mais il n'y a pas d'électricité. Nous, on n'a pas d'électricité, nous. Et ça? Un refuge abrite un grand nombre de colons où ils peuvent habiter, mais leur permet pas de donner naissance à des progénitures. Non, mais moi, je suis un peu désolé, quoi. Avec, vous mettez 40 personnes tous ensemble dans un refuge, il y a moyen de faire des choses très sympas tous ensemble. Hein. Une école. Bien, nous pourrions construire une école tout de suite. Est-ce qu'on va le faire? Non. Car les enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école pour le moment. Alors, station d'expédition, station de recherche, décoration. Ah, on peut faire des petites décos. On pourra mettre des petits lampadaires. Ça coûte de l'argent. Mais ça coûte de l'argent. C'est fou. Un totem. Un drapeau. Un parterre de fleurs. On pourra faire des parterres de fleurs. On mettra des parterres de fleurs, je vous le promets. Des carillons. Mais évidemment, des carillons. Des défenses. Alors, usine à munitions, des tours de guet. Ok, donc nous pouvons être attaqués, c'est ça que ça veut dire. Bien. Des améliorations de bâtiments, très bien. Ok. Alors. Collecteur d'eau de pluie, je ne peux pas. Un château d'eau, je ne peux pas. On pourrait prendre une citerne à eau et un appontement pour aller chercher de l'eau. Alors, petite question. Ce lac, on est d'accord qu'il n'y avait pas de radiation dedans? Non, parce que là, si je l'ai fait boire cette eau qui est là, alors, évidemment, avec le temps, les radiations bougent dans le jeu. Hein. Mais c'est sûr que s'ils vont boire l'eau qui est là, ils vont avoir des problèmes. Pauvre petit. Alors. Bien oui, on va construire ça là. Ne vous inquiétez pas, ils vont venir le construire. Une cabane de pêche. Alors, est-ce que c'est bien de mettre la cabane de pêche ici tout de suite? On voit tout de suite hein, l'efficacité à 100% ou pas. Du bâtiment. Cabane de chasse. On ne dit pas l'efficacité là. Intéressant. Des pâturages. Une cabane de cueilleurs. Alors, on me dit qu'il y a 890 de nourriture ici. Hein, le chiffre change. 900. J'ai vu un 910. Voilà, 920. Il faudrait techniquement que je la mette là. Afin d'optimiser un peu plus. Eh bien. Notre petite position. Alors, c'est combien dans une maison? Mais c'est qu'une famille, je crois. Deux adultes et trois enfants. Mettons quatre maisons. On a de l'eau, on a de la bouffe. Eh bien, on va lancer le jeu. Puis voilà. Très important de laisser... Les radiations ont vu hein, dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il n'y a personne qui veut les bosser? Bande de lâches. Et tout le monde, allez hop, tout le monde à la construction. Et c'est parti. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, tout le monde au boulot. Et alors, on va pas avoir des fainéants non plus. Hein. Regardez les travailleurs. Regardez. Donc là, ils vont aller chercher. Mais cassez pas le bus! Le bus magique! Mais non! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bande d'imbéciles? Bande de fous! Alors.
On va évidemment baisser le nombre de travailleurs hein, à 6. Et on va leur mettre des tâches de d'aller chercher du bois, etc. Alors, les tâches d'aller chercher du bois... ça va prendre tout le monde. Et là, vous voyez qu'il va prendre le maximum de main d'œuvre. Donc après, moi, je peux régler finement. Hein. Donc là, il a pris... Okay, sauvegarde, merci. Il a pris 4 personnes directement pour aller chercher du bois. Il faut aussi leur demander d'aller chercher des débris. Là, on voit qu'il y en a ici aussi, 155 de débris. Est-ce qu'on sait combien il va y avoir de bois? 116. Voilà. Et donc là, il a... Et voilà, le jeu est très intelligent. Il a équilibré, car il y a deux tâches qui ne demandent pas forcément de travailleurs bien particuliers. Bon, on va peut-être pas aller demander... Ah, mais on peut faire récupérer toutes les ressources, d'accord. Bon. C'est bon, on a mis un cueilleur. Voilà. Faut mettre les bâtiments, hein, c'est mieux. Allez. Allez bosser, bande de larves. Il n'y a pas de hotkeys indiqués pour l'accélération. Allez, c'est parti. Donc, évidemment, vous voyez ici vos ressources qui se mouvent suivant, le taux hein, de personnes. Alors. Voilà, je vais forcer 2 personnes à être cueilleurs, déjà pour commencer. Donc, est-ce qu'on me dit de combien ça va me donner de nourriture? On ne me le dit pas. Très bien. Alors, la zone d'activité, évidemment, elle dépend de l'emplacement de votre bâtiment. On va la laisser par ici, hein, comme ça. Ils vont aller dans toute cette zone blanche là pour aller chercher les ressources. Et après, on peut évidemment les déplacer afin d'améliorer nos revenus. Là, au moins, il y a des gens qui vont aller chercher de l'eau de temps en temps. Donc, la nourriture. Très bien. Où est mon eau? L'eau est où? Elle est là. En réserve 5. Alors, au niveau des cabanes... Ah, oh, mais regardez-moi ça, tout le monde est déjà content, mais oui! Ça, c'est ça d'être un maire généreux. Je leur ai donné des maisons. Alors, les bâtiments, pour le moment, tout va bien. Alors, voilà, donc là, on nous dit que notre population serait en essor. Très bien. Alors, je voudrais bien voir, mais... Je l'ai vu tout à l'heure. La population... parce que ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que tout le monde a une maison? Tout le monde a l'air d'avoir une maison. On est 20, on est 19, si je dis pas de bêtises. 5, 10, 15. Ah, il manque encore des maisons. Très bien. Habitation. Oh, on va te mettre comme ça, toi, ta petite maison là. Toi, tu vas être. Ouais, il m'en faut peut-être encore une encore. Alors, il faut des passages, hein, parce que sinon les gens ils vont rester bloqués comme des ânes. Alors, vous pouvez évidemment faire également des routes, on l'avait vu, je les ai perdues. La logistique, voilà. Des chemins de terre. Voilà. Hop. C'est bien d'avoir des chemins de terre. Afin que notre peuple puisse se déplacer plus aisément. Voilà, donc on aura fait une grande allée centrale. Et évidemment, il y aura des allées perpendiculaires. Voilà. Allez un peu dans les radiations, ça vous fera du bien. Vous n'aviez qu'à pas laisser Vladimir Poutine tirer des missiles nucléaires. C'est ainsi. Et donc, il faut aussi faire des petites allées hein, pour que votre peuple puisse plus facilement se déplacer des grandes et des petites allées. Vous connaissez. Hein. Regardez ça. Voilà, ils font des beaux petits chemins de terre. C'est beau hein, de les voir bosser. Allez, bosser, bande de gnouf!
Ok, alors, on a un peu de bois. Très bien. La nourriture. Ah, on vient de perdre un enfant. Ah non, mais il est passé adulte. Très bien, mais très bien pour lui. Alors, on va peut-être faire un petit distributeur de nourriture hein, où les gens pourront aller chercher à manger. Une sorte de marché. Pourquoi tu pourrais pas construire ici? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Parce qu'il y a un arbre là? Bah vous me dégagez. Ah non mais ça vaut cher, c'est tout l'hélicoptère, d'accord. Voilà. Hop, non. Alors, évidemment, on peut annuler une construction. Annulé. Voilà. Je me suis trompé de place. Voilà. Là, c'est mieux. Un point d'eau. Ça peut être bien aussi qu'ils aient un point d'eau pour qu'ils puissent aller chercher de l'eau. Je pense, hein. C'est mon avis, ça peut être pas mal. Stockage temporaire, on s'en fiche. Marché, poste de commerce, on s'en fiche. Poste de contamination, pour le moment, je ne pense qu'on n'en a pas besoin. Vous conviendrez que ce n'est pas très utile. La cabane de forestier, la casse. Voilà, après, il y a énormément de boulots qui sont connus. Hein. Par exemple, le forestier, eh bien, il coupe et il les plante. Et ça, c'est très bien. Il faudra en mettre plus tard. Mais pas pour tout de suite. Nous pouvons nous en sortir sans. Il y a des animaux. Regardez, il y a des petites biches. Des petites biches nucléaires. Tout va bien. Si elles sont irradiées, tout va bien. Alors, au niveau des travailleurs, les constructeurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Mais oui, il nous faut des logisticiens. La logistique, c'est important. Oups. Comme ça, ils vont pouvoir transporter les ressources collectées jusqu'au point de dépôt. C'est bon, tout y est construit? Oui. Alors, toi. C'est bon, t'as de la logistique. Qu'est-ce que tu me dis? Ressources à proximité immédiate ne pouvant être récupérées. De l'eau. Là, on a des ouvriers. Pourquoi je ne pourrais pas récupérer l'eau? Parce qu'il te faudrait peut-être un truc comme ça, une citerne. Bien. Je vais donc te poser une citerne. Voilà, si je te la mets juste là à côté. D'accord que c'est la citerne qui sert à... Mais j'ai mis une citerne là. Oui. Citerne. Citerne récupère et stocke l'eau. Voilà. Très bien. Oups. Allez. Bossez, 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 bossez. J'aime bien voir des gens travailler. Il pleut. Donc évidemment, quand il pleut, ben, ça remplit les lacs. Et quand il y a des sécheresses, eh bien, les lacs se vident. Faire très très attention à ça. Mettre un peu de main d'œuvre. Donc là, tu me dis que tu peux toujours pas récupérer l'eau. Alors que j'ai une citerne qui va aller chercher de l'eau. Alors là on me dit qu'il y a quoi? Qu'il n'y a plus de ressources. Les débris. Et ben on va déplacer la zone. Voilà. Et le bois on me dit qu'il n'y en a plus non plus. Allez, allez bosser là-bas. Hop. Évidemment ça garde hein, le nombre d'employés que vous aviez mis dedans. Et c'est ça qui est beau. Un tas de débris. Ah non, mais ça, il nous faut pas... Il nous faut quoi pour ça? Une casse, c'est ça. Alors, récupérateur... Oui, mais ça, il nous faut du plastique. Et nous n'avons pas de plastique. Pourtant, le plastique, c'est fantastique. Alors, un cimetière. Oh, c'est grand. On va brûler les cadavres. Hein. C'est grand, le feu de camp. Un pub.
Oh, tout est grand. Alors, il faudra mettre un forestier. Forestier sera très très important. Dans tous ces jeux-là, les forestiers, c'est hyper important. Au niveau des radiations, on en est où? On en est que tout va bien. Vous voyez? Là, il y avait de la radiation tout à l'heure. Eh bien, il n'y en a plus. Elle s'est donc bien déplacée. Et donc, de temps en temps, vous avez un petit nuage de radiation qui fait « Hop là, je me balade sur ta ville. » Et alors là, c'est la merde. Tout le monde tombe malade. Je vois pas pourquoi. Moi, j'ai un petit peu de radiation, ça m'a jamais tué. Un centre de recyclage. Ouais, mais ça c'est dégueulasse. Est-ce qu'on a une zone de l'air d'effet? Non. Hein. Après, il faut faire une zone industrielle. Hein. C'est obligatoire. Mais je pense qu'au début, il n'est pas... c'est pas la peine de réfléchir à ça. Hein. Alors, centre de recyclage produit du métal, des étoffes, du plastique et des circuits à partir de débris. Eh bien, très bien. Voilà. Hop là, mettre un petit centre de recyclage avec un petit chemin de tir. Hop. Ah là là, on est embêté. Regardez ça. J'avais prévu un chemin et là il y a un gros truc devant mon chemin. Je suis embêté. C'est pas grave, ce tas de débris va disparaître une fois que mon centre de recyclage sera fait. Du plastique au début. Parce qu'on aura besoin pour faire des châteaux d'eau, etc. L'eau en premier. Hein. Premier lieu, c'est l'eau. L'eau et l'eau. Eh oui. Bah voilà, il y a de l'eau maintenant dans ton truc. Mais ce que tu me disais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Des colons sans abri? Des colons sans abri? Non, c'est impossible. Nous sommes une cité florissante. Nous ne pouvons laisser des gens dans le besoin. Des indigents. Hors de question. C'est hors de question. Nous sommes des gens civilisés. Alors, on me dit que là, il n'y a personne. Une personne, voilà. Je vais aller chercher du plastique. Alors, est-ce que je peux te dire de viser celui-là en premier? Non. Tu vas aller chercher un peu partout, c'est ça? Ah non! D'accord! Ah oui, non, avec mes débris là, ils vont créer autre chose. Ah non, c'est une case qu'il fallait que je construise. Mince! Oh là là, c'est tellement gros! Mon dieu! Bon, on va la mettre là, hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est quoi ça? Le bois, toujours plus! Toujours plus de bois! Encore du travail! Et ça, c'est quoi? Des débris. Voilà, là il y en a pas. Allez hop. Voilà. Alors, le plastique commence à être produit. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Alors, il nous faudrait une route. Toujours plus de routes. Pourquoi tu ne pourrais toujours pas aller chercher de l'eau? Parce qu'on a plus d'eau? Mais ça va. Attention qu'ici il y a une sécheresse, donc il n'y aura plus d'eau. Faire attention. Nous avons eu un succès, une lueur d'espoir. Et ça c'est beau. Voilà. Donc ça c'est pour les débris, hein, c'est ça. Donc ça c'est pour les débris, c'est ça. Oui, donc ça on va... l'enlever et ici on va mettre 4 personnes. Combien il me reste au niveau de ma population? Et bien voilà, on a 4 2 4. Très bien, mais très bien, mais très bien, tout va bien. Alors ici c'est quoi ça? C'est le bois, c'est ça? Pourquoi? Ah, t'as plus personne, Bargan. Hop. Ben on a un enfant qui vient, on a un adulte qui vient d'arriver, donc voilà. Tout va bien.
Et donc, un colon sans habitation, encore. Voilà, les gens sont à peine contents. C'est fou, ils ne sont jamais contents de rien. Ok, où sont mes habitations? Elles sont là. Maison solide. Bon, cet hélicoptère, il est toujours là, hein. Moi, c'est ce que je vois, hein. Attrait du lieu, moins 4. Est-ce qu'en plus, il faut que ce soit beau, quoi? Sauvegarde dans 8 secondes. Ça, c'est bien, ça. On vous l'indique, ce qui est très bien. Alors, normalement, il aurait fallu faire un quartier résidentiel, un quartier, etc., etc., mais bon. On n'en est pas là. Ah oui, mais ça va vite, en plus, à dégager tout ça. Très bien. Dégagez-moi ça. Moi, c'est surtout celui-là que je voudrais qu'il dégage, comme ça on pourrait... Alors, au niveau du plastique, on a 4 plastiques. Juste comme ça, c'était combien pour un truc d'eau? 24 plastiques. Ah ouais. Ah non, mais d'accord, oui, il faut du monde, quoi. Il faut du monde. Il faut des centres de recyclage, quoi. Intéressant. Où est-ce qu'on va faire... Notre forêt, je la verrais bien là. Hein? Je sais pas pour vous, mais moi je verrais bien ici. Ressources. Un petit forestier ici. Hein? Voilà, pas trop loin et pas trop près de la ville. Ce qui vous permettra, eh bien, d'avoir... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Abattre et reboiser, que abattre, que reboiser. Non, non, abattre et reboiser, mon ami. Évidemment. Logistique, chemin. Bon, on va passer par là. Hop. Voilà. Une seule. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sécheresse en approche. Mon dieu! Alors, au niveau des stats, qu'est-ce que ça nous donne? Ah, on ne produit plus rien, on ne produit plus de bouffe, c'est ça que tu es en train de me dire? Peut-être falloir qu'on se mette à aller pêcher. Hein. Ce qui est bien, c'est que je vais faire le truc de pêche juste avant la sécheresse. C'est là qu'on voit quelqu'un qui est intelligent. La cabane de chasse plutôt. Où est la cabane de chasse? Nourriture. Cabane des cueilleurs, un verger, un champ cultivé, évidemment, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, mettre des vergers et puis des champs. Voilà, on va mettre des chasseurs également. Les champs. Ouais, mais ça va demander énormément de personnel, comme le verger. Et du temps, surtout du temps. Et oui. Les musiques sont sympas. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour construire ça? On a tout ce qu'il faut, mais oui. Allez, on travaille, là. Mais sinon, on va avoir des problèmes de bouffe. Et la bouffe, c'est pas cool, si on en a plus. Encore un colon sans maison, mais vivez tous ensemble, quoi. Je sais pas, faites quelque chose dans votre vie. Bon, ça va disparaître. Voilà, alors... Ça, on va pouvoir ici mettre. Donc ils étaient combien ici? 4. Ils étaient 4. Voilà. Voilà, 4 sur 4. Comme ça, on aura au niveau de notre population, on a toujours 3 constructeurs, des chasseurs. Il nous faudra des chasseurs. Alors. Bon, pour enlever un ramasseur de débris, un logisticien pour avoir 2 chasseurs. Et voilà. Et on sera pas si mal en vrai. Est-ce qu'on sait à combien ça va nous ramener? Ok. Eh, ça nous dit les animaux. Là, c'est capture. Ah, mais non, on peut pas capturer, on n'a pas de. On n'a rien pour mettre les animaux.
Parce que capturer des lièvres, donc on les met après. On les met forcément là-dedans. Les animaux sont gardés dans un pâturage afin de les abattre pour obtenir de la nourriture ou d'autres ressources via rendement de production. Un chasseur peut capturer différents types d'animaux. Vous pouvez aussi acquérir via du troc. Ouais, c'est ça. Au moment, on peut faire que chasser. Donc on va juste les chasser. Tels des barbares. On commence à avoir pas mal de plastique. On est à 22. On avait dit combien pour récupérateur d'eau de pluie? 24, c'est ça? Si je dis pas de conneries. 24, tout à fait. Et bien que les récupérateurs d'eau de pluie, c'est que ça fait de l'eau tout seul. C'est quoi ça? Oui, bah t'es plein. Qu'est-ce que je te dise, moi? T'inquiète pas, ça va aller. Il y a bientôt une sécheresse. Tu vas plus être plein longtemps. Mais cette maison n'a pas de route. Ces maisons n'ont pas de route. Mon dieu. J'ai cru qu'il y avait le feu. Les maisons. Des maisons. Toujours plus de maisons. Voilà. Donc, on va plus construire trop sur la gauche, hein, parce que ça commence à être dans les zones des arbres. Donc il va falloir qu'on s'étende plus par là, le nord, etc. Ah, t'as déjà fini, toi? Ça va tellement vite. Non. Annuler le démontage. C'était ça que je voulais faire. Hop là. Allez pas dans l'eau, hein, les gars. Hein. Vous allez autour. Hein. Vous êtes pas cons, quand même. Ok, tout va bien. Alors au niveau des radiations, ça se passe bien. Au niveau de l'eau, ça a l'air d'aller, mais tout va bien en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ce bâtiment va produire des ressources contaminées. C'est pas top. Donc, il nous faudrait ici une station de décontamination. Où est-ce que c'était les stations de décontamination? Pose de décontamination, produit des kits de décontamination et les fournit aux bâtiments qui en ont besoin. Et ça va purifier les ressources stockées. Ah non, ça va sur ma rue. Non. Hop, tu vas être là. Ah par contre, il nous faudrait plus de gens, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des enfants et faites des adultes. Pourquoi il faut toujours que les enfants naissent enfants et ils naissent pas adultes? Franchement. Moi, on m'a dit que c'était élastique, hein, alors faire passer un truc de 80 kg, ça passe, non? Évidemment, vous aurez compris que c'était une boutade. Encore? Mais arrêtez de tout 700 maisons. Il reste de la place, là, va vivre avec ces gens. Et bien, c'est qu'on voit leur travail. On voit que c'est un enfant, un forestier et un cueilleur. Hein. Ils font quoi? Mais ils font rien, eux. On fout. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, c'est la sécheresse. Ben oui, on sait. Elle arrive. La sécheresse arrive. Nous sommes dans la merde. C'est fou toutes les maisons qu'on me demande de construire. Eh oui, ben on construit des maisons, les gars. Et faire l'amour tous ensemble, soit dans la maison, je sais pas, faites quelque chose de votre vie. Hello. Mais ça, il nous faut du charbon. Il nous faut du charbon, vite. Comment on fait du charbon? Hop. On commence à... Notre zone industrielle commence à se dessiner. Bon, par contre, les gens qui vivent là... désolé, mais vous vivez à côté de la zone industrielle, les gars. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors, fais un peu de métal, s'il te plaît. Ok. Notre ami le charbonnier. Certainement, il va produire du charbon avec le bois.
faudrait plus de points d'eau. C'est ça que t'es en train de me dire? Alors, des points d'eau. Celui-là, ah oui, il en faudrait peut-être un là, en vrai. Peut-être un ici. Voilà. On vous met de l'eau, hein, les gens, hein. Vous pourriez dire merci. 25 adultes, déjà. Eh bien. Donc, au niveau de ma population, j'ai plein de gens qui foutent rien. Mais oui. Alors. Donc, vu qu'il y en a plein qui foutent rien. Voilà. Voilà. Et ben voilà, regardez-moi ça. C'est beau. Allez, bossez tous là. Alors, et le charbon, il m'en faut 12. Très bien. Alors, par contre, il me faudrait... Je pose des stockages. Voilà, on va mettre peut-être des petits stockages. Des storage. Voilà, c'est juste un trop large. C'est fou. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre le petit storage? Bah ici. On va bien mettre là le storage. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on va être bien. Vous voyez que c'est pas très compliqué de survivre à l'apocalypse nucléaire, hein, franchement. Faut arrêter de... Voilà. Alors, au niveau des logisticiens... Bah oui, bah forcément, le nombre de logisticiens augmente. On va enlever un forestier, un chasseur. Alors, voilà, et vous voyez qu'ils chargent automatiquement ceux qui n'ont pas de personnel. Et ça, c'est bien fait aussi. Ce jeu est tellement bien fait. Et bien voilà. Ah, plein de nouveaux adultes, très bien. Alors, on a besoin de forestiers, de chasseurs, de porteurs d'eau, de cueilleurs et de ramasseurs de débris. Et encore des gens sans maison, mais c'est fou. Arrêtez de ne pas vivre. Prenez une maison au hasard, on s'en fiche. Vous savez, hein, moi, tant que vous habitez dans une maison, je m'en fous. Volez là à votre voisin, je sais pas, faites quelque chose. Faites quelque chose de vos vies. Arrêtez de nous pourrir la nôtre. Donc vous voyez, hein, c'est toute une histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Y a plus rien à accueillir. Ah. Plus de bouffe? Plus de petites baies? Qu'allons-nous devenir? C'est la sécheresse, hein. C'est la sécheresse, c'est pour ça. Vous, en tout cas, vous allez aller par là, hein, parce que c'est là qu'il y aura évidemment le forestier. Niveau de la bouffe ici, nous en reste encore. Au moins, il nous reste la chasse. Heureusement que nous avons prévu que nous avons fait de la chasse. Regardez, le lac est vide. Il est vide. Nous ne pouvons plus aller chercher de l'eau. Nous sommes qu'à 1300 d'eau. Nous allons mourir de soif. Non. Ça, c'est parce qu'il n'a pas prévu assez longtemps à l'avance. Et ouais, donc peut-être qu'on va tous mourir comme des caca humains. Parce que le AK a mal joué. Mais non, mais la sécheresse va déjà passer, regardez. Nuit, pluie non contaminée. Et bah voilà. Encore? Vous êtes sérieux? Encore des maisons? C'est quoi ça? Mais oui, mais t'as plus de ressources, t'as plus de ressources. Qu'est-ce que je vais dire, moi? On a plus d'eau, on a plus d'eau, c'est comme ça, c'est la vie. Vous boirez votre urine. Alors par contre, on remarque un truc, c'est que le lac, il se remplit tout de suite. De quoi, colons sans équipement de protection? Il nous faut des tailleurs en plus. Mais vous allez arrêter de toujours demander du travail. Oh, c'est fou ces gens, ils savent pas franchement. Qui a besoin de tenue de protection? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les colons malheureux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, qui est malheureux? Jackie. Que veux-tu, Jackie? Gaspard l'enfant. Que veux-tu pour être heureux, Gaspard l'enfant? Une vue dans un voisinage peu attrayant. Tu veux un peu de bière, Gaspard l'enfant? Hein?
peut-être que ça ira mieux avec de la bière. Qui d'autre? Qui d'autre est malheureux? Eh oui, voilà, Gaspard, pourquoi tu me dis que t'es 3 alors que t'es tout seul? Là, quelqu'un d'autre. Où? Où ça? On le voit pas. Mais il travaille, il peut pas être malheureux, il travaille. Qui d'autre? Toi, t'es malheureux? Mais non, regarde comment tu es heureux. Mais toi aussi, tu es heureux. Mais arrêtez de me dire que vous êtes malheureux, vous êtes tous heureux. Vous êtes tous heureux. Vous vivez dans un bidonville, vous êtes tous heureux. Car, oui, le maire est un homme généreux. En tout cas, je pense que vous aurez compris un petit peu le principe. Alors, on n'a pas tout vu. C'est vrai, vous pouvez créer des expéditions, etc. Afin de toujours aller plus loin et de récupérer encore plus de gens. Mais peut-être, si vous êtes sage, on continuera pour faire plus de découvertes sur ce jeu. En attendant, c'était Endzone World Apart qu'on continuera certainement. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.